l'association également IGO, dans la promotion de la culture malienne. Ouais, ils sont de Tombouctou, ils sont de Tourémi, ils sont venus pour la promotion du vivre ensemble. Se retrouver et pouvoir parler du vivre ensemble est une question très pertinente et surtout d'actualité. Parce qu'il va falloir à ce que les communautés elles-mêmes entre elles puissent se retrouver, créer un cadre de concertation et réfléchir ensemble comment avoir des idées qui vont innover, qui vont faire en sorte que les communautés vont, dans une synergie d'action totale, se retrouver pour mieux vivre ensemble pour le retour de la paix et du développement. Quand on parle de vivre ensemble, ça doit aller au-delà d'un festival. Parce que quand on parle de festival, généralement les gens pensent à la musique, au divertissement, mais il doit y avoir quelque chose de plus profond. Parce que le vivre ensemble, ça ne se dit pas, ça se vit. Ses alliés et le djihad est installé. Pendant qu'au sud surgit un autre coup d'état, Amadou Aya Sandro qui s'empare des Koulouba. Le 22 mars, l'année 2012, voilà une flèche au cœur du drapeau vert jaune rouge. Le peuple s'affole, désormais rien n'est plus sûr, puisqu'à Aguelok, les djihadistes exécutent. On s'entend plus dans l'armée, on s'affaiblit. Entre bleu vert et bleu rouge, on s'extermine. Les djihadistes profitent. Ils prennent Kidal, ensuite Tombouctou et ils s'emparent des Gao. C'est le chaos.